Yo tout le monde, on se retrouve encore sur Fallout. Du coup j'ai été réparer mon armure, j'étais à Good Neighbor, j'ai vu qu'il n'y avait pas de mini nuke à voler. Je suis tombé sur cette bâtisse, en fait il a essayé de l'explorer. Clé nécessaire. Oui enfin là-bas je trise un peu parce que tout à l'heure je l'avais vu et c'est juste que mon enregistrement a planté encore une fois. Et je me suis aperçu en revenant un peu après qu'il y avait ça. Donc. Non, laissez-moi rentrer. Oui, je suis sympathique. Sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va me péter la gueule. Cabo aussi, il parle du chien. Tu vois, une armée, un gros chien devant ma tête et... Il va me rocher une armure, le bordel. Oh, c'est propre. Du Du calme, calme. je ne cherche pas les ennuis. Vous frappez toujours à toutes les portes au hasard quand vous débarquez à Boston. C'est ce que j'appelle chercher les ennuis. Edouard? Yes. Ne vous en faites pas, Jack. Je maîtrise la situation. Ne soyez pas si méfiant, Edouard. Je vous trouve une bonne tête à votre visiteur. Je vous en prie, veuillez accepter mes excuses pour le comportement d'Edouard. Il est très dévoué, mais il pêche par excès de zèle parfois. Je suis Jack Cabot. Bienvenue à Cabot House. C'est un plaisir de vous connaître, Jack. C'est un plaisir de vous rencontrer. Nous n'avons pas eu de visiteurs depuis fort longtemps. Edouard, vous savez ce qu'il nous faut? Un verre, le bourbon de ma réserve personnelle, d'accord? Suivez-moi, nous n'allons pas rester debout dans le vestibule comme des sauvages. Alors, ce que j'aime, c'est que les mecs ils arrivent à me voir alors que je suis dans une armure. Je vous en prie, asseyez-vous. Bien, avant de parler affaires. Oui, du coup, je suis obligé de faire ça. C'est comme si le temps avait oublié cet endroit. Ne m'interrompez pas. Alors, pensez-vous qu'il existe d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers? L'univers est immense. Qui sait ce qui se cache dans les étoiles? Merveilleux. La plupart des gens ont l'esprit trop étriqué pour admettre la possibilité d'un univers infini. Qui parle de soucoupes volantes et de petits hommes verts? Non, je vous parle de l'histoire secrète de notre planète, de l'origine même de notre civilisation. Les pouvoirs ancestraux que même la science moderne, quand elle était encore au sommet de sa gloire, n'aurait été capable d'expliquer. C'est vraiment très intéressant. Ce n'est qu'illusion, fantasme et science-fiction. Vous avez la tête sur les épaules. Je suis content de vous l'entendre dire. J'ai consacré toute ma vie à ces questions. Je m'efforce d'employer des méthodes scientifiques rigoureuses, tout en gardant une ouverture d'esprit sans limite. Trop de théories restent incomprises, parce qu'on pense déjà tout connaître. Lors d'une expédition archéologique dans le désert de Roubaix-Kalmi, dans la péninsule arabique, mon père a mis au jour une cité datant de 4000 ans avant l'avènement de toute civilisation humaine connue. Les structures et les artefacts qu'il a trouvés étaient très étranges, déroutants même. De toute évidence, il n'était pas humain. J'ai passé ma vie à tenter de décrypter ses découvertes. Jack, est-ce que je peux lui dire ce qu'il doit faire maintenant? Pardonnez-moi, Edouard, je me suis laissé emporter. Vous allez lui demander de retrouver la cargaison perdue? Oui. Dans ce cas, je vais vous laisser voir ça dans le détail. Nous reparlerons de tout ça une autre fois, quand nous serons moins débordés. Ça n'a pas vraiment d'importance pour nous. Bienvenue dans la famille. Bon, vous êtes officiellement des nôtres. Félicitations. Je vais te tuer. Mais d'abord, je vais fouiller ta baraque. Ils ont installé des meubles, mais il n'y a rien dedans, quoi. Le beau joujou. Je vais rien dire pour le moment.
On va être amis, mon ami. Oh, je vais te piller, mais t'imagines même pas comment. Je suis comme un gamin. Difficile Hop. De crocheter ça. Merde. La clé, il va falloir que je leur vole pendant qu'ils ont le dos tourné. Ça va être un peu dur, mais il me fait plaisir, il a quelques trucs intéressants dans sa bicoque. Passons aux choses sérieuses. Je dois encore vous donner vos ordres. C'est quand vous voulez. Bien, ça fait partie du boulot. Il vaut mieux garder l'esprit ouvert. Jack est peut-être un peu excentrique, mais il n'est pas fou. Votre mission est simple. Jack possède un bâtiment. Au nord de la ville. On a perdu un colis de première importance entre ici et là-bas. Je veux que vous le retrouviez et que vous me le rapportiez. Des questions. Vous commencez. C'est quoi ce colis ? C'est un coffre en métal qui contient des fioles de sérum. Vous n'avez pas besoin de savoir. Jack en a besoin pour ses recherches. C'est tout. Vous devriez commencer à l'asile d'Alien et de Parsons. Ne vous laissez pas impressionner par le nom qu'on lui donne. C'est juste un bâtiment sécurisé. On pense que notre coursier est tombé dans une embuscade en quittant les lieux. Les gardes ont entendu les coups de feu à bonne distance, mais ils ignorent ce qui s'est vraiment passé. Allez voir Maria Parsons. C'est elle qui gère le personnel de sécurité. Elle vous aidera à y voir plus clair. Tout est paré. Ouais, je reviendrai avec le colis. Bonne chance. Ne vous faites pas tuer sur votre T'inquiète pas, déjà je vais te piller et ensuite je vais aller faire la mission. Une question, comment je pourrais être détecté? Bah non, c'est bon, tu l'as fait pour moi. Bah rien, j'ai fait ce que j'avais à faire, hein. J'ai fait mes petites courses. Hein. Allez hop, on ferme la porte.
Ils sont un peu bébêtes dans le jeu. Hein. En train de les piller. Oh, quelqu'un nous a volé. Il y a eu deux mecs depuis 50 ans qui sont rentrés chez vous. Ouais. Pas fantastique. Tac. Je suis gentil, je ferme les portes. Allez. Chargement toujours autant de l'infini. Alors... Mais il sort d'où lui? Alors il faut aller dans l'asile d'aliénés. C'est parti mon kiki. C'est quoi ça? Ah si, c'est pas le bordel qui jante tout et n'importe quoi et jette ton bric-à-brac. On dirait un point géant. Allez voir Maria si vous avez besoin de quelque chose. Mais je vous ai tous tués la dernière fois. L'accès à cette zone est interdit. Circulez. C'est Edward Deegan qui m'envoie. Je cherche un colis égaré. Ah, vous êtes le nouveau? Oui, le colis. En fait, on sait déjà où il est, plus ou moins. Les types qui ont descendu Ben se sont retranchés dans la laiterie de Parsons, au nord d'ici. Merci de votre aide. On sait où aller maintenant. De rien. Hé, faites gaffe. C'est pas normal que les pillards soient encore dans les parages. Ils auraient dû s'enfuir avec leur butin depuis longtemps. On dirait qu'ils étudient le terrain ou qu'ils préparent quelque chose. Je serai soulagé quand vous les aurez délogés. Il faut une clé. Donc la laiterie, elle est juste au-dessus, je l'avais déjà découvert aussi. Et c'est reparti. Heureusement qu'on peut se TP parce que... Wouah! Oh, je me fais attaquer. Vous allez mourir. Sois gentil, viens prendre tes balles. Je sais pas, pour l'instant je cherche le deuxième cadavre, il y en avait un là.
D'accord, ça peut durer longtemps. J'ai l'impression de m'être fait escroquer sur le coup. Allez, temps de chargement. Par contre, l'asile, j'aimerais bien y aller, moi. Si je me souviens bien, c'est une mission. Ah oui, je me souviens. C'est une mission à faire. J'avais lu ça sur internet, si je me plante pas. Vous avez découvert ce qui était dans le Non. Et je veux qu'on la retrouve. M'empêcher d'imaginer ce qui pourrait arriver à Imogen. Et c'est une torture. Je ne vais pas demander à Edward de s'occuper d'Imogen, toute affaire cessante, alors que nous savons tous qu'elle s'est encore enfuie avec un nouvel amant, une fois de plus. Jack, comment oses-tu parler de ta sœur de cette façon? Prenez votre temps. Ouais, ok. Les pillards ont dressé un campement près de Parsons. Ils lui ont tendu une embuscade. J'ai réglé le problème. Des pillards si près de Parsons. Je n'aime pas ça. J'espère que ce n'est pas le premier d'une longue série d'incidents. Et le sérum qu'il devait livrer, vous l'avez récupéré. Ce qu'il a de spécial, ce sérum. On vous paie pour obéir aux ordres. Et vos ordres étaient de le récupérer. Ne vous occupez pas du reste. Il ne restait qu'une seule fiole. La voilà. Bien. J'ai eu peur que toute la cargaison soit perdue. Voilà votre paiement. J'ai ajouté une petite prime pour le sérum que vous avez sauvé. C'est du bon travail. Pour ce qui est de la suite. Oh, et puis après tout, je crois qu'il est temps de vous présenter Wilhelmina. Jack va être furieux. Je m'en charge. Ne vous en faites pas. C'est comme si le temps avait grillé cet endroit. Je vais envoyer quelqu'un à la recherche d'Imogen. Merci, Edward. Je sais que je peux toujours compter sur vous. Si seulement tu étais aussi dévoué que ce cher Edward. Vous ne devriez pas entrer dans son jeu, Edward, sans quoi elle n'arrêtera jamais de faire les caprices. J'avais que mon travail. À ce sujet, voici tout ce qui a pu être sauvé de la dernière livraison en provenance de Parsons. Les pillards ont presque tout pris, je le crains. Ah, enfin, parfait. Voilà qu'il devrait calmer une mère pour quelque temps. Imogen est la sœur de Jack. Mais ça, vous l'aviez sûrement déjà compris. Elle est un peu frivole, impulsive. De temps à autre, elle s'enfuit avec un nouveau petit ami. Et je suis obligé d'envoyer quelqu'un pour la ramener à la maison. Vous savez où elle est partie? Non. Mais ça ne devrait pas être bien difficile à découvrir. Elle passe beaucoup de temps à Good Neighbor. Il y a un club de jazz qu'elle adore là-bas. Le troisième rail. Quelqu'un pourra sûrement vous renseigner là-bas. Elle n'a jamais brillé par sa discrétion. Je connais le troisième rail. J'irai poser quelques questions. Ah,
Trois missions en bois. Bon, par contre, je vais faire mes courses aussi à quelque chose d'autre. Ah, ce qui veut dire que si la sœur est sortie, des portes qui sont ouvertes. Enfin, j'espère. What? Mon gars, t'es magicien. Qu'est-ce que c'est ce délire? Ah, donc il est nécessaire. On peut toujours faire un tour en bas, voir s'il y a encore une petite bombe nucléaire. Fait une chose pareille. J'en ai à foutre, moi, de ce qu'elle vous a fait. Ouh! Eh, mais c'est à l'infini en fait! Parce qu'attends. Voilà. Et reparti. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là en retournant à Sanctuary déposer les armes et les trucs que j'ai trouvés pour continuer la mission après. Ce sera plus simple. Ce jeu est génial, il n'y a pas à dire. Il y a toujours des petits trucs sympas, des petites surprises. Je sens que je vais pouvoir me faire des nuques et des Fatman à l'infini. Les Fatman, aucune utilité, les nuques, ah si. C'est à chaque fois que je rentre dans la bicoque, il y a une nuque. Arigato. Je m'en sers jamais à part une fois, je crois. Si, oui, si, une fois, j'ai dû utiliser deux nuques sur un écorcheur légendaire. Si j'arrivais pas à le flinguer au début. Allez, une fois ça fait, peut sembler froide, mais ne le prenez pas. Alors, c'est sa manière de gérer la mort. Cool, je m'en bats les steaks, je sais même pas qui vous êtes.
les soldats aguerris sont toujours parés à toute éventualité. Ouais. Je vous suggère de faire un dans votre équipement et de débarrasser. Ah, je suis désolé, je te rends ça, toi. Ah, je me retrouve avec des armes de partout. Ça c'est pareil, il va falloir que j'en récupère des réacteurs. Il y a un truc que j'ai pas décoré. Décoration. Ça c'est fait. Trop cool pour toi. Bon. Je vous laisse sur ces quelques images et on se retrouve bientôt pour la suite de la mission.